premier point, voulez-vous parler avec le roi et pour le complet? Vous avez dit, vous considérez que le gouvernement est en accord par appel de parlement siégé mardi dernier. Et si le parlement est siégé, multiple en présence, le rapport de l'Electoral Boundaries Commission pour le résultat électoral depuis mardi dernier. Là, ce n'est que mardi prochain qui nous prend présence du rapport. Après qu'on a déballé au budget, et en plus le Premier ministre doit absent du pays pour le sommet du Commonwealth à Trinidad et Tobago à la fin du mois. L'image simple, c'est que le gouvernement est fier et il peut permettre des rumeurs les plus folles de circuler. Aurait-il le plus tôt une motion du Premier ministre devant le Parlement, soit pour accepter, soit pour rejeter in toto le rapport de l'électorat par le Commission, le plus tôt, le mieux pour le pays. En attendant, on vous félicite l'Electoral Supervisory Commission, en fait, ce n'est pas le même membre qui siège dans les deux commissions, mais on félicite, on tenir, on félicite les membres de l'Electoral Supervisory Commission, qui, aussitôt qu'ils ont terminé ce travail, leur redécoupage électoral, ils mettent ce travail pour préparer un code of conduct pour les prochaines élections générales. Là, l'électorat du travail de la commission de Moses Coming donne à tout le monde, à 23 assises politiques et à tout le monde jusqu'au 20 novembre, pour faire de bonnes remarques. Et même bien sûr, pour faire de bonnes remarques. Deuxième remarque, le budget et la compensation salariale. Je te rappelle qu'il y en a 6 mois de cela, quand Thomas Citanen s'y présente le budget de 6 mois, lui-même dit dire dans ce discours, qui sa budget de 6 mois-là, lui-même, il représente un action plan for the next 18 months. 18. Un plan d'action pour les prochains 18 mois. Et là, il y a quelques jours, le FMI, il fait une soumettre un rapport au Boris qui recommande la continuité.